en compagnie d'MC Gilles dans le cadre des rendez-vous culturels. MC, pourquoi est-ce que tu participes encore et que c'est important pour toi, ta participation aux rendez-vous culturels? C'est important, les rendez-vous culturels, parce que je trouve qu'en ce moment, on retrouve toujours les différences entre les gens, alors que c'est pas ça qu'il faut souligner. C'est l'unité. On est tous des êtres humains sur la même bâtard de terre. Puis on est chanceux, on vit au Québec. Le Québec, c'est une société libre. J'en sais quelque chose. Je suis habillé en clown, puis je fais des blagues sur tout. Et on n'a pas peur. On fait des blagues sur le premier ministre, on n'a pas peur qu'il nous arrive de quoi de mal. Et c'est de présenter aux gens qui ont choisi le Québec que c'est la terre de tous les possibles. Ils veulent réaliser un rêve, ils peuvent le réaliser. Ils veulent devenir informaticien, ils peuvent devenir informaticien. Ils veulent partir à pied pour Québec, ils peuvent partir à pied pour Québec. On leur donne cette opportunité-là. Ils sont Québécois maintenant. Puis je trouve que cet échange-là me nourrit, moi, et nourrit aussi les gens. Puis plutôt que souligner quand vous croisez des gens qui sont différents de toutes sortes, pas juste de manière ethnique, mais quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est jeune, qui est vieux, c'est toujours plus intéressant et enrichissant de communiquer avec des gens qui sont pas pareils comme nous qu'avec des gens qui pensent la même affaire que nous et qui sont pareils comme nous. MC Gilles, merci beaucoup. Merci à toi.